Light brown. Brown. Dark brown. Black. Red. Pink. Orange. Yellow. Light green. Green. Dark green. Light blue. Blue. Dark blue. Purple. Page 23. Exercise 2. Colors. Part A. Listen and practice. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Brown. Dark brown. Black. Red. Pink. Orange. Yellow. Light green. Green. Dark green. Light blue. Blue. Dark blue. Purple. Page 23. Exercise 2. Colors. Part A. Listen and practice. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Brown. Dark brown. Black. Red. Pink. Good evening. How are you doing, class? Okay, get ready for the English class. It's time to learn. It's time to learn. Okay? Moi salue nous comme vous connaissez déjà depuis le fait 8h pour 9h. Ou bien en direct avec Malebranche on the air. Il y a un bel cours anglais qui passait du lundi au vendredi, okay? And today we have a very good lesson, all right? I can say an important lesson, your lesson qui est très important, okay? First, I am going to show you how to make a lot of sentences. Donc, on va montrer comment on dit un paquet de bagailles en anglais, okay? Yon paquet bagay en anglais avec yon ti simple règle grammatical, hein? Ok? Prepare ou. An ou aide moi partager le, aide moi partager le. Share, class, share, ok? Let me say hello to all of my students. I have Isaiah, Tyson, Garçon, Evans, ok? Let's share, alright? Invite friends. Okay, classmate, invite your church mate, your neighbors, okay? Invite tout moun sa yo, vin participer nan spécial anglais sa, mes amis. Let's share, an nou partager. Nou pralwe yon bel kou grammaire ki vraiment facile aussi, hein? Okay? Non seulement kou a bel li facile, parce que nou pral détail ba ou, c'est pour ça nou la. Ok, un seul bagay pour aider nous faire clair, c'est help me to share the live. Thank you. Mais bon, une minute pour partager avec moi. Je vais retourner tout de suite avec classe en direct. Let's share. Orange. Yellow. Light green. Green. Dark green. Light blue. Blue. Dark blue. Purple. Page 23.
Exercise 2. Colors. Part A. Listen and practice. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Brown. Dark brown. Black. Red. Okay, share, Claire, share, please. Orange. Ah, hi, Solian. How are you doing? Light green. Christina, green. I didn't see you yesterday. Dark green. Light blue. Blue. Dark blue. Okay. Purple. All right, good job. Keep sharing. Exercise 2. Color. Okay, keep sharing, glass. All right? Because I am going to talk to you about something that is extremely important to know in English. Okay? All right, glass. Okay, good. Nous pouvons parler de pronoms personnel d'abord, n'a passé résumé adjectif possessif, et puis nous allons prendre pronom personnel complément, ok? Nous allons toucher trois choses extrêmement importantes en anglais pour les gens qui a débuté, ok? Qui voulait faire une petite phrase sans aucun problème en anglais, ok? Nous allons parler de pronom personnel, de adjectif possessif. Et nous allons parler aussi de pronom personnel complément. Ça veut dire pronom complément, ok? Là, nous parlons de groupe de monde, yo class. Ok? Happy to be here today. Ok, my friend, you are welcome, ok? And help us to share live. Et de nous partager, hein? Nous allons détailler avec des exemples qui pourraient faciliter ou même faire un paquet de phrases dans la langue anglaise, là, ok? On na les classes nous dit pronom personnel que déjà connaît yo, OK, ou déjà connaît pronom personnel yo qui c'est I, you, he, she, it, we, you, they, OK, they are subject pronouns, OK, or personal pronouns, OK, personal pronouns c'est pronom personnel, OK, and we have possessive adjectives, OK, possessive adjectives like my, your, his, her, its, our, your, their. All right? And after that, we are going to explain how to use, ouais, comment you utilize pronom complément en anglais. Okay, class? Qui c'est me, you, him, her, it, us, you, them, ok? Qui premier bagaille nous fait classe, nous traduire pour faciliter ou comprendre bien, parce que nous pouvons faire des petites phrases très petites avec eux, ok? Très courtes, pour capable permettre ou comprendre bien, ok? When I talk about subject pronouns, you know, to conjugate a verb, okay? You understand conjugate? To conjugate a verb, okay? Conjugate. It's the verb. Okay, class? To conjugate a verb, the first thing you need the personal pronouns. You understand? To conjugate a verb, okay? You need the subject pronouns, ok? Les la conjuguer un verbe, qui ça nous besoin? Nous besoin les pronoms personnels, ok, Gléas? Ces pronoms personnels là qui pourraient le permettre, moi qu'on est, qui pronom complément m'a pas utilisé, qui adjectif possessif m'a pas utilisé, ok? Né, Gléas, là nous dit I, que vous connaissez déjà, qui c'est je, ok? Pas même besoin d'écrire là. Ok, Gléa, c'est G, tu,
il, elle, elle, il, nous, vous, il, et puis elle. Ok, Gléas? Vous savez, these are subject pronouns. Nous disons ça, c'est pronom, c'est pronom personnel. Ok? Quand on dit, chaque monde sait, on marche avec yon bagay. Yon marche avec des adjectifs possessifs en anglais. On dit, I a marché avec my. Ok? Il a marché avec my comme adjectif possessif. Hein? Quand on dit, Gléas, my lui-même, my a marché avec, hein? Qui ça a dit, à qui ça my a marché? Comme pronom complément, my a marché avec me, for example, ok? Si m'davina, m'di my a marché avec me, comme pronom complément, ok, Gléas? L'emvin la m'di, your a marché avec you, ok? C'est pas you pronom sujet, non, pronom personnel, non, hein? You pronom complément. M'di his a marché avec him, ok? L'emvin la m'di hey, a marché avec her, il pas changé, ok? L'emge it qui va le marcher là avec it, ok? Tout ça qui en bleu là, il y a le pronom complément Gléas, alright? L'emge dans encore, m'di or, ça va marcher à or, c'est us, ok? Ça va marcher à your, c'est you, alright? Ça va marcher avec them, adjectif possessif, c'est them, ok? Alright. Quand on a qui ça nous dit Gléas, l'on parle de my. Non, my, nous, ouais, ma, mon. Mais, dépend de devant non qui l'y placé. Et c'est nous là, hein? Ça dépend de devant qui non l'y placé. Ok? Les chers Gléas, chers, chers, chers. Ok? Alright. Mm-hmm. Ok? On nous partage, on partage, on partage. Hein? On connaît déjà, on connaît déjà, hein? On allez, let's go Gléas. Ok? Quand on dit my. Si nous traduisons my, nous disons my égal à Gisa Gléas. My égal à quoi? My égal à ma, mon, mais. Ok? Alright, Gléas? Mais nous disons your. Nous disons qui ça yo a bon mouen? Yo a bon mouen ta, ton, te. Ok? Ça dépend de vent. Je non le placer à Gléas. Ok? L'ambinant his. Il dit pour qui ça m'utilise his? L'utilise his pour parler de yon garçon. Ok? His name is Peter. Ok? His name is Peter. Alright? His name is Peter. M'dit name est du genre masculin. Plus que his placé devant name, his vle dit son. Est-ce là, hein? Quand l'ambinant l'ambin dit ça, qui ça l'égal, c'est son, ça c'est. Ok? L'ambinant hey, hey. Retourne égal à qui ça, son ça c'est pour parler de yon fille. Ou même tout hôtel d'une façon pour qu'a bien comprendre ni. Ok? Si ma parle de yon garçon, ma utilise yon adjectif possessif en anglais Gléas, ma utilise his. Ouais? For example, his hair is gray. Ok? De cheve qui moun ma parle là, ma parle de cheve yon garçon. Et c'est là, hein? His hair is gray. Est-ce là, hein? M'dit cheveux gris. Cheveux qui est, hein? Cheveux yon garçon. Ça fait m'utiliser his comme adjectif possessif. Est-ce là, hein, Gléas? Her dresses are red. Est-ce là, hein? Her dresses are red. De qui moun m'a parlé là, Gléas? M'a parlé de yon fille. Ça fait m'utiliser her. Qui veut dire même bagay là, son, ça, c'est. Est-ce là, hein? Kou na l'embim là, m'dit it. It's food is cheap. Est-ce que hein? Food, c'est nourriture. Nourriture est du genre féminin. C'est que it's ça là, la signifie ça. On dit ça, nourriture est moins cher. Est-ce que là, hein? Nourriture de qui ça m'a parlé là? Yon chose ou bien yon animal. Est-ce que nous là, hein, Gléas? M'dit là encore na oré. On dit oré, Gléas, is very large. Classe qui est-ce qui large là? C'est classe nous. Est-ce que nous là, hein, Gléas? C'est classe nous. Oré. Qui signifie nous. Hein, ça dépend de qui ça les place. Par exemple, si je viens dans la classe, je dis my book. Ok? Qui ça me besoin qu'on est? Besoin qu'on est. Est-ce que la my a traduit par ma, par mais ou bien par mon? Kouda, qui ça me besoin qu'on est? Besoin qu'on est. Est-ce que book est du genre féminin ou masculin?
puisque je dis mon livre, c'est que l'âme qui est en vrai, my veut dire mon. Et c'est nous là en classe. Pour nous, immédiatement, je viens de book, mettez S, je dis my books. Si je dis my books, c'est que la my là, elle ne veut pas dire mon encore, mais elle veut dire mais. Et c'est nous là en classe, my books. Pour nous, si je viens de classe, je dis my pen. Ok? Je dis my pen, ouais. My pen, les mille là qui ça me besoin connait est-ce que my a traduit par mon ou bien ma ou bien mais besoin connait est-ce que pen est du genre féminin ou masculin, OK? Pen est du genre féminin parce que dit ma plume, c'est que là my signifie ma. Est-ce qu'on a une glace dépend de quand on le placer à. On dit my pen, ma plume. Quand on immédiatement me vient d'elle mettre s, on dit my pens, le samedi mes plumes. Est-ce qu'on a une glace? Ok, est-ce que tout le monde là? Hein? On allait la gueule tout côté. Let's share. Ok, thank you. Alright. Ok, Gléas, est-ce que nous là? Hein? Est-ce que vous comment le différencier? Si je viens à Gléas, je dis his fun. Ok? Je dis, je vais utiliser his, c'est pour me parler de un garçon. Je dis his fun. His là, il veut dire ça. Hein? C'est que je parle de téléphone. Li. Kouda m'a dit est-ce que on dit ma téléphone ou bien mon téléphone, hein? Si c'est mon téléphone, et bien his la signifie son. Est-ce que là, hein? Le signifie son dépend devant ça le placer là. Si m'vin la glace, m'dit his pen. Si m'dit his pen, puisque plume est du genre féminin, c'est que ça signifie sa plume. Est-ce que là, depuis plume m'a parlé là, m'a parlé des plumes au garçon. Est-ce que là, hein? Va parler des premiers garçons, dit his pen. Est-ce que là, Iglas? Quand on a immédiatement vu d'elle mettre S là, dit his pens, ses plumes. Plume qui est-ce m'a parlé là? Des plumes his là, qui c'est garçon. Est-ce que tout le monde là, hein? Ok, est-ce que là, Iglas? Hein? Quand on a Iglas, de même pour ré, depuis utiliser ré, quand on a, hein, même ré, ouais, m'a mettre lui devant fond, non? Si m'dit ré fond, ouais. Là, je me dis his phone, c'est qu'il me parle de téléphone garçon. Là, je me dis her phone, kounya, je me parle de téléphone fille. Est-ce que là, hein? Je me dis kounya, je me dis class, her phone is very expensive. Je me dis téléphone li, yon cher en pile. Téléphone qui est? Téléphone li. Li ça, c'est qui ça? C'est yon fille. Est-ce que nous là, hein, class? C'est qu'il m'a parlé de yon fille. Her phone, yon fille, ok? Good. Quand on vient, on dit its food is cheap, ok? Par exemple, si vous avez un animal, un chien, un chat, ok? On va acheter manger pour lui. On dit its food is cheap. On dit manger chien moins cher, li pas cher, ok? C'est its pour parler d'une chose ou bien animal, ok? L'ambiance, on dit our class is very large, ok? Our class is very large. De qui classe m'a parlé là? M'a parlé de yon classe. Classe là appartient à nous. Est-ce que là, Iglas? Plus que classe là appartient à nous, et bien, me dit, our class is very large. Est-ce que là, hein? Kouna la classe, même our ça là qui veut dire notre classe, ok? Si me voulez le vin traduire comme non, kouna m'a dit qui sa classe, m'a dit our classes. Ouais, our classes. Là, ça m'a parlé de plusieurs classes nous gagnons, ouais. Hein? No class, our classes. Est-ce que là, hein? C'est dépend devant non le placé, hein? Et de qui est Jean non, s'il masculin ou bien féminin ou bien s'il pluriel. Est-ce que nous là, en classe? It's very easy. Quand on a dit ça, on fait classe, bon, quelques exemples pour faciliter à comprendre. Là, me dit my, mais adjectif possessif, il faut toujours songer ça. Il est placé devant non en classe ou bien objet, on a parlé de l'IA. Est-ce que là, hein? Mais on va dire car is black my no my car, hein? Où est le nom classe? Où est l'adjectif? C'est my. Est-ce que là, hein? Où est le nom? C'est car, hein? Où est le verbe? C'est is. L'adjectif c'est black. Est-ce que là, hein? Dit my car is black, c'est dit ça va toujours placé. Ils ont fait mettre au souligne au placé comme ça après toute notre ville après, ouais. My car is black. Your car is right. Ndi machine moi en noir. Your cat is right. Ndi chat ou son chat blanc, right? Hein? Your cat is right. OK? Plus que kou n'am pral di est-ce que
Est-ce que yoy là, il veut dire ton ou bien ta ou bien te? Là, je te dis pas qu'il veut dire ton parce que mot ça a au singulier. Ok? Si je dis your cat, qu'on a dit, est-ce qu'on dit le chat ou bien la chat? Hein? Plus que c'est le chat, eh bien, là, je dis your cat, qui signifie ton chat. Est-ce que nous l'avons dit? Ok? Le chair signifie ton chat. Ok? Là, je dis his hair. Je parle de cheveux, on garçon. Tu écris sous côté là? D'une façon pour qu'on bien comprendre. Ok, Glass? Your school is great. Your, ok? Là, nous dit your, là, Glass, ça signifie votre école. Alright? Votre école. Alright? Your school is great. Hein? Et donc, on bon école. Ok? Their news. Ok? Their news. Là, on parle de their. Ça signifie, Glass. Ça signifie leur. Ok? Leur qui s'écrit comme ça, hein? There, like this, okay? Their news is good. News là signifie journal, okay? Their news is good. Dit journal yo a bon, okay? Journal yo, hein? C'est yo journal et puis yo plusieurs qui a fait. Laisse là, hein? Journal yo a bon. Dit their news is good. Their ça a remplacé yo. Est-ce que nous avons Glass qui a toujours placé devant you? Non. Est-ce que nous là, hein? Puis on dit chaque ça yo. Yo gen rapport avec yon pronom personnel complément, ok? Ou bien di pronom complément. Pronom complément yo clair, si j'ai au marché, hein, c'est yo permet ou faut paquet phrase, ok? Même j'ai avec adjectif possessif yo, si m vin la m clair, si m di, ça c'est chaise moins. Est-ce que la glace? Si m dit ça c'est chaise moins, nous supposons utiliser yon adjectif possessif, est-ce que la, hein? M di par exemple, this is my chair. Ouais, dis ça c'est chaise moi. Ouais, my chair, this is my chair. Ouais, my chair. Ouais, my là devant chaise là et ça là. Dis ça c'est bouse moi. Dis this is my wallet. Et ça là, hein? This is my wallet. Dis ça c'est bouse moi. Et ça là, hein? Ça c'est bouse moi. Et ça là, hein, glace. Dis c'est mon portable. Dis this is my, ouais, my phone. Like this, it is very easy. Kuna, si c'est pour le classe, m'jous retire my, hein, dis your, c'est pour. This is your chair. M'dis ça, chez vous, hein? Your, hein? Kuna, si c'est pour lié, this is his chair. His, c'est ça, hein? Si c'est pour une fille, this is her chair. It is very easy to use, hein? Facile à utiliser, sans aucun problème, classe, ok? Hein? Pas oublier 50 maptons, parce que pronom personnel complément vraiment belle. Voilà un paquet de 6 phrases au café avec, 6 phrases très courtes, avec en anglais, sans aucun problème, ok? Cher, partagez, tout le monde, partagez, ok? Partagez, vous levez sur tout le monde, classe. Ok, help me. On allez. On sait quand mes amis. Bel coup, on ça, hein. Faut inviter tout le monde, ok? Alright, classe. Kounia, classe. Si par exemple, m'gé ou livre, m'dis, ah, m'dis, ça c'est livre moi. Un seul, hein. M'dis, ça c'est livre moi. Puis m'ka j'ai dit, it's my book. It is my book. Ouais. Dis, it is my book. Ouais. Avec même il est ça kounya, mon ka descend net m'a fait phrase, hein? It is my book. It is your book. Ouais. It is his book. Est-ce que là en anglais? It is her book. Ouais. It is our book. Voilà. It is their book. Ouais. Est-ce que là en anglais? Est-ce que on a prouvé avec même si ça, hein? It is your car. This is machine. No, it's your car. Well, it's your car. It's my car. It's a her car. Let me see. It's her car. This is machine. Lee, machine. You fee. I say you like glass, huh? Machine. You fee. I say tout moun like glass, huh? If you like, sous la, huh? Huh? Fais moins, huh? A glass. Let's share.
Merci à vous-même qui déjà partagé, hein, parce qu'il y a plusieurs monde qui partagé, hein, moi ça, hein, hein. Bon travail, hein. Ou vu nous tout partager à faire, ok? C'est bien, hein. Ok? Ok, good. Alright? This is your chair, my chair, her chair, his chair, our chair. Nous mettons comme ça, hein. My car, your cap, his hair, her dresses, its food, your school, their news. Ouais, qui c'est journal, hein? Quand on dit, chaque salon, il y a un link qui respecte classe. Si on parle de I, hein? Si on dit I, adjectif possessif va utiliser après les my. Est-ce là? Ouais? Si on dit I, ou bien non my, pronom complément va utiliser après les me. Est-ce là? Hein? Alors, exemple, on dit pronom qui ça avec classe, pronom complément qui ça avec, c'est me, you, him, her, it, us, you, them. Est-ce là? Hein? Ça veut dire déjà, ouais, si m'a parlé à yon moun na classe, m'a dit moun, hein? M'a dit, tendez nous, si m'a parlé, m'a dit, tendez nous, non? Hein? Qui ça m'a dit classe? M'a dit, tendez nous, m'a dit moun, listen to us. Est-ce là? Hein? Listen to us. Ouais? Listen to us. Ouais? Us, ça dit ça lié, us, ça relé, ou pronom complément. Listen to us. Est-ce là? Hein? Listen to me. Ouais, nous la mettez me. Listen to me. Écoutez-moi. Est-ce que là en classe? Hein? Look at me. Ouais, look at me. Regardez. Est-ce que là? Look at me. Ouais, dis ça c'est pour vous. Dis c'est pour vous, oui. Ouais. Hein? Dis c'est pour vous, classe. Dis it is. It is for you. Ouais. C'est pour vous. Ouais. It is for you. Ouais. C'est pour vous. Si c'est pour le garçon qu'on a là, si ça me dit là. It is for him. It is for him. Est-ce que là, ouais. C'est facile, hein. Si c'est pour une fille, dit it is for her. Ouais. It is for her. Kuna, si c'est pour yon plusieurs, ni fille ni garçon, ou bien yon paquet de garçon, gade, it's for them. Ouais? It's for them. C'est pour eux. It is for them. Ouais? It is for them. C'est pour eux. C'est pour yon. Est-ce là? M'di, c'est pour yon lié. Ouais? It's for them. Don't touch it. M'di, c'est pour yon. Pas touche elle. Est-ce là? Hein? Don't touch it. Ouais, glace? M'di, c'est pour yon. Don't touch. Est-ce là? Hein? Dis don't touch, it is for them. Dis c'est pour yo. Est-ce là, hein? Dis pas toucher, c'est pour lui, c'est pour yo filier. Don't touch, it's for her. Ouais. Pas toucher, c'est pour yo garçon lié. Don't touch it, it is for him. Ouais. Dis it's for you. Dis ça est pour vous. Ouais. It is for you. Yes, it is. Yes, it is. Oui, c'est pour moi. Est-ce là, hein, glace? Ok. Est-ce là, hein? Hein? Bon, hein? Pas oublier de passer sur page là, hein? Follow, bel coup anglais ça, qui fait du lundi au vendredi, 8h, 9h, on comprend, côté que nous amusons nous ensemble, dans l'anglais, mes amis, vide cher, invitez moun, vine garder bel coup ça, hein? Qui fait live, ok? Côté que nous expliquons bien facile, sans nous pas, passer wo, pour empêcher de comprendre, ouais. Tendez-nous, faut tendez-nous. Listen to us, my friend. Tendez-nous, ouais. Mando pour tendez-nous, dit listen to us, my friend. Hmm? Si m'a dit gardez-nous, dit look at us. Look at us. Gardez-nous. Est-ce là, hein? Si m'a dit ban nous, m'a dit give it to us. Ouais? Let me show you, class. Paquet belle, petit phrase ou café avec, petit groupe ça, que ouais, moi, bah ou la classe, bah, ou paquet petit bagay, côté que ou ka di avec, sans gourmet, ok? Ou paquet belle, petit bagay ou ka di, ok? C'est pour moi, c'est pour lui, vous comprenez? C'est pour nous, hein? C'est pour yo, est-ce que là? M'parle avec yo, ouais? M'te ouais yo, est-ce que là, en classe, hein?
manger avec yo, hein, manger avec nous, manger avec lui, ouais, tout ça, c'est ça pour connaître, pour faire petit détail ça en anglais sans aucun problème. On a regardé par exemple, on a regardé classe. On va regarder un petit détail nous café avec, là, ouais. On a les classe. Je dis, qui ça m'y voulait dire? M'y voulait dire, mais ou bien moi, ok? Là, me dit, look at me, me dit, regardez-moi. C'est cela, hein? You, te, toi. C'est cela, hein, Glass? Si m'a dit Glass, par exemple, on prend une chaque là, me dit, look at me. Qui c'est regardez-moi, ok? Là, me signifie moi. C'est cela, hein? Coup de glace, nous allons chercher mais, ok? Nous avons me, qui signifie mais et moi. Look at me, là, je dis regarde-moi. Coup de glace, nous allons chercher glace, mais, coup de une signification pour mais. Est-ce là, hein? Est-ce là, hein? Bon, je vais partager le bain, ok? De tellement commencer. Alright? Coup de glace, nous allons chercher mes glaces, ok? Hein? On fait un petit partage, les amis. Sauf qu'on va voir. On va bon bail pour nous, hein? Ok? Et sur la glace. Quand on lève la glace, on dit look at me. La me signifie quoi? Signifie moi. Et sur la glace. Quand on va chercher me. On prend un exemple. La même look at. On dit why. Why do you look at me? Un exemple. Oh non, la même moi. Hein? Ouais. Why you look at me like this? Why you look at me like this? Okay? Why you look at me like this? Pour qu'il soit gardé comme ça, okay? Et puis quand on a mis la glace, on dit he gives me $5. Okay? Et sur une glace. He gives me $5. Look at me. Regarde-moi. Why do you look at me like this? Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? He gives me $5. Qui serait mieux vle dit là, Claire? Serait mieux vle dit là, hein? Là, mieux vle dit moi. Là, mieux encore vle dit moi. He gives me $5. Est-ce que mieux là vle dit moi? Non. Est-ce que là, hein? Là, il veut dire quoi, Claire? Il me donne $5. Est-ce que là, hein? Là, mi veut dire mais. Ça veut dire, c'est ça la traduction de mi. Mi, c'est mais et puis moi. Est-ce que là, hein, Claire? Est-ce que là, hein, Claire? Est-ce que là, hein, Claire? Hein? Si me dit Claire, he drives me. Par exemple, me dit, you drive me. You drive me school, for example, ouais. You drive me school. Là, m'a dit me là. Qui ça me veut dire là? Me, ouais. Ou conduis aller l'école. Tu me conduis. Est-ce là, glace? You drive me. Est-ce là? Rele mon adou. You drive me crazy. Hein? You drive me crazy. Est-ce là, hein? Hein? You drive me crazy. Ouais, glace? Tout ça, yo, mi ça la veut dire mais. La mi veut dire moi. C'était un petit détail pour montrer deux types de traduction de mi avec comment on a fait belle petite phrase pour vous-même avec même ça yo, sans aucun problème. Est-ce que nous là, hein, Cléas? Hein? Beaucoup satisfait, hein? 50-50, mes amis. Au moins, elle aime dans 50, hein? Me font-tu content, hein? Est-ce que là, hein? Let's share, Cléas. Let's share. Okay. On allait. Okay. Good. Okay, Glass. Est-ce que nous, pour me, comment nous baillons petit détail? Côté me capable de dire me, pas bien, il y a le pronom complément. Pronom complément, il n'y a pas qu'à placer avant non, Glass. Est-ce que là, hein? Ouais. He give me $5. He buy some food. For me, ouais. He buys some food for me, ouais. Lui achète un bagage à manger pour moi. Est-ce là, hein? He buys some food for me, ok? Let me dire for me,
ou après toujours les toujours placer soit après verbe là ou bien dans fait phrase là est ce là he drive me ou elle est placé après verbe là est ce là glass he gives me il est placé après verbe là look at me il est placé dans fin est ce là he buys something for me il est placé dans fin est ce là glass c'est comme ça pronom complément yo marché en anglais est ce là. On a regardé pour you class, on a regardé pour you hein qui signifie te ou bien toi. Est-ce que là class? Et même je me décadi class, I give you something. Ouais. Si me dit I give you something, nous va regarder qui ça you a voulu dire là, est-ce que là hein. Nous dit qu'il est you à pronom personnel, c'est là lui placer devant un verbe. Est-ce que nous avons une glace? L'aime placé devant un verbe. L'aime dit You leave. Côté you a placé là, devant verbe là. You leave. L'aime dit he wakes. Côté he placé là, devant verbe là. He wakes. Est-ce que nous avons une glace? On dit faut identifier au bien pour pas gagner pièce problème. Parce que nous avons un petit phrase avec là sans aucun problème. Hein? Ok? Hein? C'est 50 ans maintenant, hein? Ok? Il y a une phrase qui peut venir, hein? Si vous ne pouvez pas 50 ans. On allez. Ok? On allez. You, could not walk with you. Là, on dit, look at me. Ouais? Non, you, nous gagne, it is for you. Ok? C'est pour toi. Hein? Là, signifie toi, c'est pour toi. Et ça, là, hein? It is for you. C'est pour toi, c'est pour vous. Ok? Bon? Hein? It's not for me, it's for you. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Ouais? Tout ça m'a utilisé là, c'est pronom complément. Est-ce que là, hein? Là, dit mon I love you. You, c'est pas pronom personnel, mais c'est pronom complément. Est-ce que là? I love you so much. Ouais, dit, oui, mais on pile you. Yo, elle est le pronom personnel complément. Est-ce que nous là, en classe? Ok? On va aller faire ça. On dit, look at me. Regarde-moi. Why do you look at me like this? Pour qui sont regardés comme ça? He gives me $5. Il me donne. Ouais, il me. Là, je veux dire me. Ok, ça me devait montrer. You drive me. Ouais, tu me conduis. Je veux dire me encore. Est-ce que là, hein? You drive me. Qui signifie me. Ok? Kouna, nous allons faire aller avec you. Très rapide, class. Pour être tout. Côté you. Là, je veux dire. Que ou bien toi. Ok? Alors, tiens, dis-nous un bon exemple. Tout simple, hein? Là, dis-moi, non. You love me. You love me. Est-ce que là, en classe? Là, dit you love me. Même me, ça, li ka signifie aussi M apostrophe. Ok? Signifie aussi M apostrophe. Let me love dit you love me. Ça veut dire, classe, tu m'aimes. M apostrophe. Est-ce que là, hein? Ou même? Ouais, ou même. You love me. Ou même. Est-ce que là, hein? Quand la classe, m'a dit I love you. Même lui-même, il me dit, sur lui, dit I love you. Let me dire I love you. Ça, elle signifie encore. Hein? Même bagaille là, t'es apostrophe. Hein? Je t'aime, t'es apostrophe. Ok? Est-ce que nous avons la classe? Quand nous allons chercher toi, classe. Nous allons chercher toi. Hein? Ok? Très bien. Très bien, hein? C'est pousser le boulot vers 50 là, hein? C'est là, moi, mais l'élevé. Nous sommes là, nous venons belles si vous consommez, nous partagez tout ça avec vous. Vous n'avez pas être pour courir, allez, hein? Faut y suivre quoi? Vous comprenez pour un joueur ou non quoi? Et puis après ça, pour être quatre, on dit, waouh, on prête, vous comprenez? The friend is for you, très bien. Is the cry for you? C'est nous là, hein? Nous pas être notre belle si vous consommez, pas courir, faut que vous partagez quoi? Très bien, titite, hein? Thank you very much. Ok, class, where I love you. Je t'aime. Qu'on a la classe. On dit I give you. Ouais. I give you a pair of shoes. Par exemple, I give you a pair of gloves. Ok? Regardez bien. I give you a pair of gloves, okay? I give you a pair of gloves. Kouna, ki sa nou pral cheke la class? Nou pral gade you la, okay? Ki place apre verbe la. Ki se pronom complément, se pa pronom personnel. Nou di ki sa you sa pral vle di? Est-ce que la vle di toi ou bien te en anglais, en français class? Hein? Est-ce que la, hein?
Let me do I give you, okay? I give you, okay? Là où est you, là, qui ça veut dire? Là, ça veut dire que, ouais. Je te donne, ouais. I give you a pair of gloves. Gloves, on sait, gants. On va gants, on met dans le monde, m'di, m'ba ou yon pair gants. I give you a pair of, of gloves, ouais. Je te donne a pair of gloves. M'ba ou yon pair gants. A pair of gloves, I give you. I give you something. Je te donne quelque chose. M'ba ou yon bagay. Est-ce là, hein? I give you something. Est-ce là, hein, glace? Hein? Je te donne quelque chose. I give you something. You, qui là, ou est dans where? This signifie qui ça? Que, ok? I give you, je te donne, ok? Est-ce là, hein, glace? I talk to you, my friend. I talk to you. Ouais. I talk to you. M'di m'parle avec. I talk to you. Ok. Why did you say I talk to you? Pourquoi ça pas répondre? I talk to you. Est-ce que tu as la glace? Hein? Est-ce que tu as la glace? Est-ce que tout le monde là, hein? Hein? Est-ce que tout le monde là, hein? I talk to you. Je parle avec toi. Est-ce que tu as la glace? L'envoi de langue est en là, you signifie toi, est-ce là? I see you, je te vois, est-ce là? Est-ce que là? I see you, moi ouais ou? Est-ce là, hein? Moi ouais ou? I talk to you, hein? M'parle avec ou? Est-ce là, hein, classe? Hein? Est-ce que là, tout comme au cas viril ou tournel, j'en voulais, hein, classe? Ok? Est-ce que nous, hein? Yes, I'm there. Yes, Christopher, how are you? Good, okay, good. Du tout debout pareil, t'es toujours un petit hi, un petit hello pour moi ou là, hein? Ok, bon moi. Très bien, hein? Il y a pile de monde qui monte, qui partage, hein? Ok, c'est bien ça, hein, classe? C'est bien ça, hein? Ok? Ok, good. On a les classes. Him. Him qui signifie le ou bien lui? Qui l'a utilisé, c'est leur parler de yon garçon. Même je l'a dit, I see you. M'ka dit la glace, I see him. Si c'est nous deux qui a parlé, m'di, I see you, ok, you. Kouna, si c'est nous deux qui a parlé de yon l'autre monde, moun n'a parlé à yon garçon, est-ce yon là, hein? M'a parlé de yon l'autre monde, l'autre monde n'a parlé de lui à son garçon, et bien m'a dit, I see him. Est-ce yon là, hein? M'doua se tire you a, et puis mette him. Ok, est-ce là, hein? Quand on a vu une classe, par exemple, on dit, on parlait avec lui hier. Ouais, on parlait avec lui hier. Mais lui, ça, c'est avec une fille, moi, parlé hier. Est-ce là, hein, classe? On parlait avec lui hier. Même quand je dis classe, I talked to her yesterday. Ouais, glace. Plus, c'est à yon fille, moi, t'es parlé hier. Di, I talked to her yesterday. A qui est-ce que t'es parlé là? Avec her, ok? Avec her. I talked to her yesterday, ok? Di, là, nous utilisons her, ça, c'est pour nous parler de yon fille. I talked to her yesterday. Yesterday, I talked to her. Ouais. Yesterday, I talked to her. Ouais, m'parlé avec elle. Est-ce que là, glace, hein? Et comme si tu as dit glace, je parle avec elle. Est-ce que là, hein? I talk to her, elle, hein? Parce que her c'est pour une fille. Pour la nous une là qui ça nous dit, hein? Dit si c'est un garçon qu'on a, qui ça m'a fait? M'a juste retiré her et puis mettre him, ouais? Him le lui, hein? Her la lui, elle, ouais? Je dis him pour garçon, d'où mettez là, me dit, it is for him. Me dit, c'est pour lui. Ouais, c'est pour lui. Est-ce que là, glace? C'est pour lui, c'est pour lui. Lui, yon garçon, ok? I see him, yon garçon. I give him, moi bali, yon garçon, ok? Là? Par exemple, me dit, yeah, m'te bal 10 dollars. Ouais, ou bien me dit, yeah, m'te voye 10 dollars pour lui. Ouais. Di yesterday, I sent $10
$10 to him. Ouais. Est-ce que là en anglais? M'dit m'devoye $10 pour lui hier. M'dit yesterday I sent $10 to him. OK? Kouna ki son wè la, him son gitan wè pou moun devoye kob la la, se pou yon garçon. Est-ce que là hein? Ah, yesterday I sent. C'est le verbe envoyer, hein? Là on utilise le passé parce qu'on parlait de yesterday, OK? Verbe là c'est send. Est-ce que là hein? Yesterday I sent $10 to him. Ndi m'devoye $10 pour lui hier. Est-ce que là hein? Hein? Ndi m'devoye $10 pour lui hier. Ndi ou te pran? Ouais. Ouais, m'pral montre là nous venons hier. Non, it nous dit qui c'est pour une chose, OK? Quand on m'a dit où te prendre, hein? M'ka juste venir là qui ça, ça me besoin classe, besoin qu'on ait verbe take et aussi le passé du verbe take en anglais. M'te va au passé à qui c'est took. Quand on m'a dit you took it. Est-ce que là, yesterday I sent $10. I sent $10, $10. I sent $10 to him. Hmm? Ou bien m'di, li te pran, m'di, he took it. Parce que c'est de li na pale. Et puis m'di, he, ouais, he took it. Hmm? Li te pran, ouais, he took it. Li te pran. Est-ce que là, hein, glas? Et ça remplace qui ça? De là, nous t'a parlé de li. Est-ce que là, hein? Yesterday, I sent $10 to him. M'di, yeah, m'voye $10 pour li. Yon garçon. Et puis m'di, li te pran. M'di, he took it. Est-ce là? He took it. Ouais. Et ça là remplace you chose. Est-ce là, hein? M'di, par exemple, where is my book? Where is my book? Ouais. M'di, where is my book? M'di, où est mon livre? M'di, côté livre, moi. Et puis m'di, moi pas well. Ou di, I don't see it. Est-ce là, hein? Ouais, tout ça, c'est pour chose, it. I don't see it. I don't see it. Hein? Qui ça? Qui ça? Et là remplacé? Livre que t'as parlé de lire. Est-ce que comment utiliser it là? Est-ce que là une classe? Hein? On dit hey, c'est pour fille. C'est une classe. I call her. She didn't pick up. Ouais. On dit me dire elle, lui pas prend appel. Est-ce que là hein? Hein? On dit elle, lui. On dit qu'on est là, mon affaire avec ça, les pronoms. Pour nos personnels compléments, c'est que ma vie là, me, you, him, her, it, us, you, them. Est-ce que là, Glass? M'dit Glass, m'dit, m'interrelé hier. Qui ça m'a dit Glass? M'dit, I called her. Ouais? I called her. Hein? Qui est-ce que vous avez? Qui est-ce que m'interrelé là? Ou que t'as ouais? C'est une fille m'interrelé. M'dit, I called her. She didn't pick up. Where? She didn't. Did not, okay? She didn't pick up. Where? Dim terele, li pa pran apel. Where? I called her. Hey, okay? Hey, guess who I'm terele ala? Yon fi ke mwen terele. Est-ce que nous la anglais? Yon fi, hein? Mister, est-ce que mwen pat ka di? Yesterday I was sent. No, in this case, no. In this case, not in this case, qui se fait dans ce cas, hein? Pabliye, chaque temps, yo genye yo façon spéciale ou utilise yo. Est-ce que là, hein? Chaque temps, yo genye façon spéciale. La veut dire, m'pa ka choisi utiliser n'importe temps, n'importe l'air. Est-ce que là, hein, glace? Est-ce que nous là, hein? Hein? Gen principe pour utiliser temps yo en proprisant, hein? Si possible, bon, moi. Demain vendredi, hein? Ok, nan, m'a parlé de temps. Ok, m'a prend temps simple, yo. OK, m'a détail étant simple yo pour l'a utiliser, OK? Mais là, il pas mandé là pour moi utiliser hein. Parce que chaque temps on l'a pour utiliser. Présent, gien façon pour utiliser, présent continu, gien façon pour utiliser, passé simple, gien façon pour utiliser, est-ce là hein? Passé futur, gien façon pour utiliser, est-ce là? Subjonctif, hein? Passé antérieur, futur antérieur, etc. Tout gien gens pour utiliser yo. Baka ni crété m'utiliser n'importe genre dans n'importe phrase. Est-ce que là hein? OK? OK, il doit faire. OK dit-il.
OK, on va les faire faut que yo connait ces détails ça hein, son review. OK. All right. Good job. Thank you, Eloise. Thank you. I called her. OK, good. I called her. OK, good. I called her. She didn't pick up. Good. Ni pas te rappelle. Très bien. Oui, son petit coup qui facile mais qui demandait pour bien connaître comment pour utiliser tout titi. D'ailleurs, ça là hein. Qui demandait pour connaître bien comment pour utiliser me, you, him, her, it, us, you. Parce que let me know you some you c'est pronom complément et you aussi c'est pronom personnel. Ça veut dire faut me détailler pour me connaître qui est le pronom personnel et qui est aussi le pronom complément. Ça là comment la placer. Like what it is for you. Okay? Bah di you it is. Okay? That's all right. Look at me. Mettez tout dans Facebook à ouais, hein? It is for him. Get on well dit, c'est pour yon garçon. It is for her. Get on well dit, c'est pour yon fille. Look at that. Get on well, c'est yon chose ou bien yon animal. That's all right. Let me not ask you, Noé. Listen to us. Talk to us. Give it to us. Ouais. Ba nou li. Hein? Dis ba nou li. Ouais. Give it to us. Ouais, give it to us. Ba nou li. Ouais. C'est bon paquet de phrases qui simple qui permet de parler un paquet d'anglais que moun néglige. Give it to us. C'est ça là. Hein? Give it to us, please. OK? Ouais. It is very easy, hein? Rather than you, it is not for you. Hein? C'est pas pour vous. It is not for you. It is not for you. It's for him. Il est pas pour vous, il est pas pour nous. C'est pour lui, lié. Ouais? Faut qu'on se tire ça, il m'a dit, it is not for him. It's for her. Il est pas pour lui, il est pas pour garçon, et pour fille, lié. It is not for him. Ouais? It is not for him, for example. It's for her. Dis lui pas pour lui pour garçon mais c'est pour fille allié. C'est ça là hein. On a faut que mon connaît, je vous le différencier comment il a placé, voilà. Que là me dit you call you, on get on dit oh you là, il placé devant verbe là, c'est pronom personnel, voilà. Ouais, c'est là hein. On a dit la classe, me dit them, les filles là. Les filles eux, les filles là, les m'a pas parler de fille. On va parler de filles seulement, moi utiliser them. On va parler de garçons seulement, m'utiliser them. On va parler de choses seulement, m'utiliser them. On va parler de filles et garçons, m'utiliser them. Il suffit que lui c'est pluriel, c'est nous la classe. Il suffit que lui au pluriel, on dit là ouais. Look at them. Là me dit look at them. On dit regardez-les. Ouais. Regardez yo. It's not for them. Là me dit it's not for them. Quand on elle me dit c'est pas pour eux. Ouais. Eh, c'est fille eux aussi hein. Ouais, eh, c'est là. Hein? This is not for them. C'est pas pour eux. Hmm? Give it to them. Dis bayoli, hein? It's for them. Give it to them. Dis bayoli, c'est pour yoli, ouais. Give it to them. Ouais. Give it to them. Give it to them. Ouais. Give it to us. Give it to them. Ouais. L'am dit, bah, you li. Ouais. Hmm? You look at them. That's what I'm. Why you look at them? Dis, pourquoi vous les regardez? Hein? Ouais. Dis, pourquoi ils sont regardés, you? Hmm? Ouais. Les. Il veut dire les, là. Hein? Why you look at them? That's what I'm. Avec A there. Ouais, exemple. Why you look at them. Dis pour ça regardez you. Why you look at them? Ouais. C'est ça hein. Why you look at them? Hein? Pourquoi vous les regardez? Vous les regardez. Est-ce que them là signifie les? Ouais. Why you look at them? Ouais. Hein? Quand on dit regardez you, I look at them because ouais, I look at them. Même them ça là c'est yo même. On dit them signifie ni les ni e, ni le, qui écrit comme ça, c'est nous la glace, c'est nous la, hein? C'est une belle télévision qui a permis de faire un paquet de belles petites phrases sans aucun problème. Thank you, Tima, thank you, ok? J'ai parlé avec elle hier. Exact, ouais, ouais, là, dis, I talked to, ok?
I talked to her yesterday. Il a traduit comme j'ai parlé avec elle hier. Ok, très bien. Ok, m'a touché tant yo, pas mes pères, m'a détaillé tant yo. Pour qu'est-ce que t'es posé question? Yeah, Miss, c'était moi qui a. I was sent. Ok, good. Ok, let me see. I was. Ok, qui sont ouais? Where I was. Qui ton ouais là? Là où est passé? Où est passé? Ok, let me mieux passé. Et puis me dit sent encore qui au passé. Faut qu'on ait qui tant la baou et qui l'est ou de l'utiliser. Est-ce que là, hein? M'a qu'à choisir, ni dit, j'en utilise, j'en plais. Et même, j'en là, moi, dis ça, là, me fait sept là avec auxiliaire R. Si m'vim là, comme dit, I have sent, qu'on a moi, même verbe sept là, conjugué à l'auxiliaire avoir. Elle dit, faut qu'on ait qui l'est pour me faire exercice ça. Est-ce que là, hein? Son exercice, m'a qu'à ni crêter, me fait le pot de joie. Très bien, qu'est-ce que tu poses là? Christopher, très bien, Christopher. Yeah, Christopher a fait groupe là, marché parce que Christopher toujours pose des questions. Hein? Nous vivons ça bien rapide. Très bien, Christopher. Et vous connaissez tout, hein? Parce que vous aimez poser des questions pour permettre de connaître. Good job, my friend. You have to ask. You can invite your friend. You can invite your friend. Vous pouvez inviter des amis, etc. Participer dans le groupe là, hein? Vous pouvez inviter des amis ou de vous connaître des amis, pas des autres, vous comprenez? Parce que dans le groupe là, c'est à faire anglais, nous régler la donne. De vous connaître des amis, pas venir là, n'importe ça, joindre, ok? Ou quand invitez-le, venez participer, ok? Invitez-le, venez participer. Vous avez parlé de comment utiliser pronom personnel, adjectif possessif, ok? Nous avons un exemple, vous avez tout adjectif possessif, vous avez ça, vous avez fait? Vous avez là, vous avez là, si vous avez un verbe là, qui c'est verbe play, vous avez tout pronom ça, vous avez devant play, la troisième personne la place, ok? L'ovin là dans adjectif possessif ou est tout placé devant ou non? Ouais. Car, care, hair, dresses, food, class, school, news. Ouais. C'est premier coup d'œil ou de faire, c'est Jean yo placé. Ils ont fait m'tout placé, m'tout bon exemple, et puis m'tout mettre garçon, fille, chose pour pas avoir trop problème pour leur utiliser, ou juste regarder vidéo et puis pour aller. Ouais. Premier coup d'œil à faire. Ouais, bloc. Subject pronoun ça c'est devant verbe yo même. I play, you talk, you ride, you can, hein? You study, he plays, c'est là, hein? We work, they work, ouais, tout ça c'est devant verbe. Là même la connait coup d'œil me fait qui très simple, hein, me dit bon voyez je pour moi moi le commencer à la connait à moi my, your, his, her, its, or, your, their. Ndi lam gen my qui c'est ma mon mais OK ndi lam voye zem la moi car kou na m pral di est-ce que on dit mon voiture ou bien ma voiture ndi si on dit ma voiture c'est que my là signifie ma my car is black ndi ma voiture est black est-ce là hein immédiatement kou na la my la vient placer devant you non masculin ndi bon exemple par exemple si ndi my book book qui c'est masculin et bien si me dit my book c'est que my ça encore pour signifie mon même my là quand si me prend même my là mettre le devant nous au pluriel il va signifier mais si me dit my books my funds OK avec s là ça signifie mais c'est très simple qui placer devant nous même de bas là là me dit your cat is right me dit chat moi hein elle est blanche et bien là me dit your cat mais je connais est-ce qu'il veut dire ma mon ou bien mais là ou bien m apostrophe me dit là me dit your cat c'est mon chat hein je dis mon chat est-ce là hein ton chat et bien mieux connais là your veut dire ton chat est-ce là hein your cat is right ouais je t'en dis là je dis ton immédiatement me venir la mettre s dans cat il pas veut dire ton encore mais là veut dire té, est-ce là hein? Mais là, on dit his hair, his hair, pas au pluriel lui-même. Pour que ça hair pas au pluriel, c'est parce qu'on va pas compter cheveux dans tête, OK? Yo relé yo comment en anglais? Yo relé yo uncount noun. Là, on dit count, c'est le on compter, est-ce là hein? Count par exemple. Ouais, là, on dit count, c'est compter, ok? Si me dit, par exemple,
hair, m'baka di yon, cheve de, cheve toi, cheve, et so la, hein? Ok? Plus que m'baka kontel, et bien m'di his hair, ok? M'baka voye l'au pluriel pour m'di his hairs, ok? Glas, parce que m'baka konte. C'est même j'en avec money. Si m'di money, money vle di l'argent. Est-ce que m'ka di yon l'argent 2, 3, 4, 5? L'argent non. L'argent pas ka konte, ok? Si m'di his money, money, pap ka pran S. Et so la, hein? Mais là, je dis dollar, kounya, dollar. Si je dis his dollars, ouais, good. Parce que dollar prend S, yon dollar, 5 dollars, 20 dollars, li ka compte. Est-ce que là, hein? De bon, plusieurs exemples. L'elle pas ka compte, ou seulement identifier féminin ou bien masculin, ou pas prendre non plus, yon laisse ça. Est-ce que là? De bon, exemple qui simple avec, avec sugar. Ok? Là, je dis sugar, li signifie sucre. Ouais, sugar, sucre. Est-ce que m'ka di yon suc, 2 suc, 3 suc, 5 suc? Non, li pa ka konte kon sa en anglais, mais m'ka di yon sac suc, yon mamit suc, est-ce que là, hein? Plus que m'pa ka di yon 2, 3, 4, eh bien, si m'di your sugar, ouais, m'pa ka le voye l'opinion pour m'di your sugars, ok? Parce que yon le yon uncount noun, qui se non ki pa ka konte, est-ce que là, Eglas? Je vais vous montrer tout ça et puis je vais vous montrer une belle liste. Je vais faire question avec, je vais faire question. C'est même je vais vous détailler pour how much avec how many. Ok? Depuis, si je vais vous montrer combien de sucre, combien de sucre. Si je vais vous boutique, je vais vous vendre sucre là-dedans. Ou venir acheter. Si je vais vous montrer combien de sucre vous avez besoin, même si vous avez besoin de 5 sacs de sucre, je vais vous dire how many sugar do you want? Est-ce que c'est clair? M'ap di how many sugar do you want ouvle? Ok? M'ap di how much sugar? Pour que ça c'est how much sugar? Parce que sugar pap ka konte. Est-ce que là? Kounya, si m'bezo mette how many devant sugar, m'bral utilise sac ou bien mami. Est-ce que là? M'bral di how many sacks of sugar do you want? Ouais? Sacks of sugar. Est-ce que là? Laisse la changer. Mais immédiatement, on va demander combien de sucre, c'est how much sugar. Ok? Est-ce que vous avez glace? Hein? So, si vous avez un peu de map détail, map détail. Titit, map détail. Titit, beaucoup de besoin. Beaucoup qui vous. Beaucoup, hein? Thank you, Yolande. How are you, Yolande? You okay? Ok, glace? It is very easy. I think you understand. Vous avez besoin de garder comment vous placez. C'est devant nous, yo. Ok? Quand vous avez regardé dans le pronom complément, yo même. Yo place, nan fe phrase ou bien après verbe là, sans aucun problème. I talk to you, I call her, ok? I'm happy to see you today. Where you, ok? I happy to see you today. Ou getan where you sa, c'est pour non complément, ouais? Happy to talk to you. Content parler avec ou. Ou getan where, c'est pour non complément. C'est pour ça pour identifier yo, et puis pour faire un paquet de phrases avec yo, qui ka permet tout, dégauche yo en anglais sans aucun problème. How many bags of you want? Exactly, Christopher. Okay? Parce que vous ka compter, c'est l'on ka compter. De vous pas ka compter, on dit how much, hein? M'a détaillé là, m'a détaillé avec mot que ou ka dit how many, qui l'on ka dit, okay? Tout ça qui pas ka compter yo, c'est différent, okay? M'pa ka dit how many, okay? M'pa ka dit how many money do you want? Okay? How many money? No. Not good at all. It is not good at all. It is not good at all, ok? C'est pas du tout bon, hein? It is not good at all. C'est pas du tout bon. N'est pas bon du tout, hein? It is not good at all, ok? How much? How much? How much sugar? How much sugar? Ok? Vous n'avez pas de qui a monté, m'a dit, how many? Bien facile, hein? Sans aucun problème, hein? Ok, Glass? Remember my friend, well, remember my friend, my family, ok? And I always invite you to subscribe to my YouTube channel, okay? Go to subscribe to encourage me very much, okay? Ouais, encourager ma travail plus mes amis. Hier, on t'a invité nous passer garder belle petite vidéo mien sous channel YouTube là qui c'est Teacher Malebranche on the air. On t'a seulement you moon qui passait, hein? Seulement you moon, hein? Il faut encourager ça qui bon qu'on dit mon yo, ok, Gléas? Encourager ça qui bon.
Vous comprenez? Je dis à ça, fait plaisir. Chaque monde qui monte le tout partagé là. Vous comprenez? Même là où il y a des gens qui peuvent comprendre, qui viennent comprendre puis devant, et ça n'a pas été loin nous-mêmes. Ok? Mais keep on following, keep on sharing the live. Ok? Go to watch some videos on my YouTube channel just to encourage me work much. Ok? I invite you. Yesterday I did it. YMT fell, okay? You didn't go. Ou pas allé. Oh, I don't see. Okay, very good. Oh, it's the same. It's the same, Christina. It's what I am talking about. C'est de ça m'a parlé là, okay? C'est de ça m'a parlé là. Gagne des mots. Gagne un paquet mots en anglais qui gagne S là-dedans yo, mais là n'a utiliser verbe yo, nous utiliser verbe yo au singulier. On dit journal, pas vrai? Journal, ouais. Journal. Journal is clear, OK? Et même je me suis dit là. Gagne un paquet mots qui gagne S, mais verbe yo les conjugué, toutes ces règles grammaticales hein, sont pas quelque belle bagaille. Les verbes là mots qui gagne S. Et puis, verbe lui-même, lui conjugué au singulier. Ok? Kouna si yon règle qui m'a dit ça. Et même, j'en m'sou, tout là. Ok? Kouna si yon pou mèmou ap compte sucre. Ou ka di yon sucre, deux sucre, trois sucre. Mais règle la dit, lè m'pa ka compte sucre pou m'di plusieurs sucre. Et bien, m'pa ka di sugar, oi, m'ap di is. Mais lè m'gen yon mot. Gen mot ki singulier ki tout gen S li la. Dan li tout mache a S li. La kou news. Depuis le tout marché avec Esli, eh bien les map use li, m'pa ka mette oi, mais m'a dit news, ouais. Là parler de journal ou dit newspaper, OK? Soit parler de journal là on va le présenter, ou dit news program, ouais. News program, ça dit you moun pral présenter journal là. Mais on va toujours elle gen S là dedans, ça va le dire c'est pluriel, OK? Thank you. How many dollars do you want? Exactly. How many dollars do you want? Yes, I am. Thank you. And you. Okay. Okay. Titi, do you pense à ça qui fait bien? Exactly. You know, exactly. C'est parce que je connais bien tout le monde là qui vraiment encouragé. C'est parce que on est dans le premier niveau qui a monté de temps en temps. Qui a monté avec. Mais ça ne fait pas sauter, on a monté ensemble. Mais seulement, ces gens me là, passez, encouragez mes amis, sur YouTube là, hein, me fait un pile gros sacrifice pour mettre quoi à campier, jam, pour me pas rater, eh bien, pensez à ça, hein, pensez à ça, c'est pas quoi me demander, je dois prendre mes amis, par exemple, il y a 33 monde qui a suivi quoi, vous comprenez, juste en sur YouTube là, écrit, si tu es mal les branches, on dit, air, même j'ai la page là, Dimbral encourager, m'a invité deux trois moun moins encourager parce que m'ta aimé faire live là sur les tout. Thank you. Merci hein. M'ta aimé faire live là sur les ni sur YouTube ni sur Facebook. Ou moi m'pa ko arriver 1000 moun nan. Ou moi m'gibe plus que 3 mois depuis m'gen rien hein. M'pa ko arriver mes amis, aidez moi rive pour m'ka faire live sur les tout, OK? Encourage me. OK, Gleas. Help me. Give me hands, OK? You understand give me hands. Bon moi le bois. OK Gleas, my job to pay a teacher to teach you English, you need much money for that. You understand? It's not very easy Gleas to teach English on the air. It's not very easy. You have to know what you do. If you don't know, you can't. If you don't get something in your mind, you cannot do it. It's one of the reasons I always talk to you like this, okay? If you see that I am a person who works, I am a person who help, I am a person who is valuable to help other people, okay? To learn something, to help people to know what is good or not, you have almost an obligation to help me to grow my channel. Do you understand? And I do many things to help you. I have a WhatsApp group specially for you. It's not for me. It's because I want to help you. If I do all I can to help you, what are you waiting for? You have to help me, please.
OK? Thank you very much. It's not m'pense tout moun comprend parce que m'pa utiliser gros mot. C'est cela hein. I do all my best, m'fè tout ça qui bien, tout meilleur de moi, OK? To help pour m'aider hein. Parce que ça fait c'est comme qu'a dit ça, tant qu'on fait bien, c'est bien ou après récolter. OK? Tant qu'on fait bien ou après récolter bien, c'est toujours essayer faire ça qui bien, ça fait mettre disponible. Eh bien, m'attend au moins une 10 moun là passé, OK, ou 15 parce que on connaît tout pas pour aller vrai. Au moins m'a je nous 10 moun passé, all right? Regarde une petite vidéo, qui ton petit commentaire et puis m'a send coming back, OK? And m'a vraiment content moi. Wow, nous camper avec pour keep on working, OK? Until the end of the class, jusqu'à la fin. Thank you very much. I love you. I hope you love me too. You don't have to tell me that you love me in your mouth. You have to love me in your heart. Okay? It has to be from your heart. This is what you don't care. Your action has to prove me that you love me. Okay? You understand? I love you. I show my love to you because I do my best to help you. Try to do the same. Thank you very much. It was a pleasure for me to teach you or to show you something in English. I am happy and I'm going to do, believe it or not, I am going to do my best to keep on helping you. Try to do your best. Try to do the same. Thank you. Pa wè m'pa di m'pale trop anglais jodi a. C'est pas fa bien fa m'posi parler tout mes amis, vous comprenez? Thank you. Enjoy seeing you tomorrow at the same time, okay? After 25 minutes, I am going to visit my YouTube channel to see if you go to subscribe, you leave me a comment, a like, or not. Thank you. I hope that. Have a good night.